regarde Lily Rose. Oh non, pas elle. Qu'est-ce qu'elle fait là? J'espère qu'elle va pas nous voir. Oh non, elle va vouloir venir à la maison, j'en suis sûr et certain. C'est impossible. Allez, on fait semblant de. Non. Qu'est-ce que vous faites là? Tata Grognon. Mais c'est vous, qu'est-ce que vous faites là depuis le temps, depuis le temps qu'on s'est pas vu. Ah là, je suis choquée. Ah, je suis contente. Moi aussi. Bah vous allez où? Vous allez chez vous là? Bah oui, on va en retourner à la maison. Ah mais ça tombe bien, regardez. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Tata Grognon? Viens de me casser le pied. Oh non, mais c'est pas possible. Oh bah si, regardez la radio, je me suis cassé le pied. Pourquoi t'es venu aujourd'hui? Et en quoi faisant? Bah je suis tombée de ma fenêtre. Non, vous me croirez pas, je suis tombée de ma fenêtre. En faisant du sport. Ah non, j'ai sauté parce que j'ai pas fait exprès. Bon, allez, peu importe, de toute façon. Chut, j'ai besoin de personne pour m'aider. Vous allez m'amener. C'est pour ça que vous venez à la maison alors? Bah je vous ai croisé, maintenant vous pouvez m'héberger un petit peu chez vous. Je pense que t'as de la place dans ta chambre. Allez, démarrez. Une journée d'abord, d'accord? Vous allez venir. Non, ça démarre, allez, deux mois. Bon. Allez, on y va. Bande de cacahuètes là. Allez, ça démarre. Bon, allez, hop, c'est parti. Chou. Ah, j'adore la musique à la radio là. J'adore la musique à la radio. C'est ta nouvelle musique? Oui, c'est ça. Oh, génial! Pour une fois que tu fais des bonnes choses. Allez. Il y a un peu de respect envers Tata Grognon. Mais non, mais ça démarre. Ça démarre. C'est ça que je veux entendre. Allez, c'est parti. Vous dormez déjà? Oula. Tu te rends compte, Lily? Il y a Tata Grognon. Ah, je pensais que vous dormiez, excusez-moi. Allez! Tu sors aussi? Tu vas me montrer comment est ta chambre maintenant. Oui, ah, mon pied. Tu sais, elle a pas très changé. Hein. Mais tu peux peut-être te lever, non? J'en peux plus. Bon, allez, on avance parce que moi, j'ai pas que ça à faire. Il vient pas, ton père, là? Non, t'inquiète pas. Il fait des travaux dans la voiture. Oui, c'est ça, c'est ça. Oh, mais il va venir un peu plus vite, là. Ah, punaise. Mon pied. Oh non, t'enfuis pas comme ça, hein. Bon sang. T'enfuis pas comme ça! Mais viens, lève-toi! J'en peux plus! C'est du cinéma ce que tu fais, Tata! Allez, vite, on y va! Donne-moi ça! Allez, vite! Oh, bah là, tu sais marcher, hein, c'est drôle! Hein. Allez! Ah, c'est bon, c'est ouvert en plus, vous avez laissé ouvert! Oui, allez, avance! Et ton père, t'es sûr qu'il veut pas venir? T'inquiète, il va bientôt venir, il prend de l'air un peu parce que. Ouf, allez! Tu pourrais m'aider quand même! Mais non, ça va, allez! Ma valise! Donne-moi ça, allez. Alors, ça fait quoi de beau pendant tout ce temps, Tata, hein? Ah bah, vous me manquez, vous savez. Ah bah, pas nous. Ah bah, comment ça, pas vous? Tu sais marcher un peu. Vite. Oh là 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 là. Vous allez bien? Ah mais moi, tu sais, j'étais à la maison de retraite et... Ah bah oui, je m'ennuie un petit peu vieille quand même. Je m'ennuyais beaucoup. Ton père, il est toujours pas là, hein? Non. Et ton frère, là, le moche, là? Il est toujours pas là non plus. Je pense qu'il n'a pas vraiment envie de te voir, hein. C'est pas grave. En tout cas, bon, tu peux bouger de là maintenant. Plus la vieille. Un peu de respect. Merci de m'avoir donné ta chambre, en tout cas. Bouge de là. Mais prends pas ce lit, j'ai un lit pour toi. Allez, mieux. Bouge. Donne-moi ça. Allez, à moi maintenant. Allez, laisse-moi dormir, j'ai le pied cassé. Oh là là. Bon, Lily, ça va? Ouais, ça va. Elle est dans la chambre? Oui, elle est dans la chambre. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, rien de spécial, à part qu'elle s'est cassé le pied et toujours aussi toc-toc. Hein, toujours aussi désagréable. Oui. Et qu'est-ce qu'elle veut, là, maintenant? Elle veut dormir et je pense qu'elle va rester un bon gros moment. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire sur moi? Ils sont en train de faire leur petit complot sur Tata Grognon. Ah. Oh, d'ailleurs, comment je vais faire si je suis plus présentable? Elle pue un petit peu, hein. Elle sent mauvais. Ah oui. De toute façon, c'est Tata Grognon. Ah oui, elle m'a dit qu'elle revenait de la maison de retraite et qu'elle s'ennuyait un peu. Mais tu crois qu'elle va dormir ici? Mais je pense. Mais comment? Et dans quel lit on va la mettre? Mais j'en sais rien, moi. Ah, j'ai tout entendu, vous voulez me virer de chez vous? Ah, mais... T'arriveras pas, Peppa Pink, à me virer d'ici et rends-moi ça. D'accord. Vous voulez que je parte? Vous n'aimez pas Tata Grognon, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous nous envahissez un petit peu quand même. Comment ça, je vous envahis après tout ce que j'ai fait pour vous? C'est sûr, Tata Grognon, mais... Moi, je suis toujours gentil. Si vous voulez, on a un lit pour vous. Tu te souviens pas en 2012, quand je t'ai offert
Un paquet de dragibus. J'avais 2 ans. Même pas entamé en plus. La dernière fois, vous avez quand même cassé beaucoup d'affaires chez nous. Alors maintenant, ce que tu vas faire, Peppa Pink, là, oui, avec tes petites lunettes, tu vas m'apporter un matelas hélico pour que je dorme ici cette nuit. Je vais pas récupérer le lit Billy Rose. Tu as 30 secondes. Tu as 30 secondes. Alors, Tata Grognon, voilà ce que j'ai trouvé. Ah, impeccable. Ah. Alors ce matelas, il est très 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 confortable. Ah bah voilà, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, je vais pouvoir rester ici. Non. Vous allez vous installer. Une bonne petite couverture. Il est propre. Miam. Et ma valise pose là ici. Pas de voleur ici. Pop. Ah. Oh là là. Oh là là, mon pied. Oh, ça m'a rebloqué. Oh là là. Oh là là. Oh mon Dieu. Ouais. Oh mon Dieu, stop. Bon, allez, maintenant je vais surtout dormir. Mais si tu peux t'occuper de moi un petit peu, je suis pas contre. J'ai faim. Eh oh, à mon grand âge, je ne sais plus cuisiner. Bon allez, je vais lui cuisiner un truc, je sais même pas quoi faire. Oh là là, quelle horreur. C'est quoi cette musique là? Oh là là, jamais tranquille ici. Peut-être que comme ça sera mieux. Arrêtez cette musique! C'est quoi ça? Pop it mania, qu'est-ce que c'est que ce truc? Hérole! Oui! Ah, manger! Voilà! Oh merci! Oh merci! Vous aimez bien? J'arrive plus à le fermer. Super, merci! Vous aimez ça les sucettes? Ah, je préférerais des épinards quand même, hein! C'est ça ou rien? Des bons épinards! C'est ça ou rien? En tout cas, tu vas m'expliquer ce que c'était cette musique pendant que je dormais! C'est ma musique! Ah, super! Voilà. Ça s'appelle comment? Pop-it mania! Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais t'as plein de nouvelles choses! Oui, c'est des pop-it! Ah, super! C'est pour faire des glaçons? Non, pas du tout! Ah, mais ça a l'air trop bien en tout non, cas! Non, mais hein. Arrête d'en mettre partout! Ah, t'inquiète pas! Bon, en tout cas, j'ai assez vu ta tête pour aujourd'hui. Ok. Tu peux garder tes sucettes. Je vais aller visiter la maison. De toute façon, on se retrouve assez vite, je pense. On se retrouve assez vite. Et avec Peppa Pink, j'espère. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, après tout ce temps. Après tout ce temps, je n'étais pas là. Donc, vous inquiétez pas, je reviens bientôt. Je vais pas partir comme ça. Hein. Bon. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bye bye les amis. Et cliquez sur une vidéo qui apparaît. Ciao.